Bonjour, chers téléspectateurs de l'Institut de Radio Télé-Charité. Aujourd'hui, nous sommes très très heureux d'être à la paroisse Sainte-Thérèse de Lisieux pour couvrir la messe de 1h. Cette messe était présidée par le père Michel Pierre-Louis. Bon, on peut dire que c'est un grand orateur, un grand ami du Centre National. Puis, bon, pour le moment, nous sommes avec Marie-Laure pour un coup d'entretien à la radio Télé-Charité. Frère Maxime, que je dis à l'invité, nous parlons de Sainte-Thérèse. Nous avons accueilli dans Sainte-Thérèse, ce travail vraiment extraordinaire que permet de cette là et même Père Pierre-Louis pour accueillir le Libanon, que lui encourager, nous pour nous même retourner la semaine prochaine encore, ou bien demain même, pour une autre visite dans Sainte-Thérèse. Mais nous avons avec nous Marie-Laure, qui va le Libanon, qui entretient. Qui va parler, nous, bon, ça va combien de temps que le gars n'a pas voir ça. Là, vu que, bon, qui va sortir à Haïti, un petit mot peut-être pour le père Mendes, le curé, et avec le père et Pierre-Louis, que nous avons dit que, bon, c'est lui-même que, qui fait mes scriolio. Qui va que, mademoiselle ou bien madame et Marie-Laure, et que, est-ce qu'on va parler nous un peu de vous pour bien. Dire nous qui nous nouillons. Eh bien, moi, c'est Marie-Laure Casimir Saint-On. Moi, sorti dans Pétionville. Et moi, j'ai paroissé ça depuis en 1999. Tout petit monde, moi, j'ai grandi. Et dans paroissé là, tout le monde est membre. Marie, moi, membre paroissé là. Aussi, eh bien, paroissé ça, son paroissé qui est très vibrante. Nous, Kaboué, que y a une communauté anglaise, une communauté haïtienne. Qui décidaient pour mettre tête ensemble pour travailler avec Père Mendes et avec Pierre-Louis. Eh bien, moi, je souhaitais que nous t'envoyions plus en plus de monde venir rencontrer nous chaque dimanche pour nous célébrer la résurrection de Jésus dans la messe que nous avons qui est très bien animée, qui est très bien prêchée pour nous prendre parole, pour nous porter. Par le peuple la façon que nous vivons pour nous changer la vie. Eh bien, et nous là, nous en collaboration avec tout le monde, tout le ministre qui n'a pas eu ça, pour nous dire Pierre Mendes, bienvenue. Et n'a pas eu ça, ils sont nouveaux et pasteurs nous. Et nous travaillons ensemble avec lui pour nous avancer par le bon Dieu bien plus en avant. Il est que vous avez 17 ans dans la si vous comprenez bien. Vous avez toujours là depuis 1990, ça, ils avaient à peu près 17 ans. Mm-hmm. Il est que chaque dimanche, vous venez dans la messe créole. Chaque dimanche, vous venez dans la messe créole. Mais qui est-ce que vous avez un ministère dans la paroisse? Moi, c'est un ministre, ça nous relève en créole, ministre Caristime, nous porter et Jésus. Hein? Par les gens qui n'ont pas eu ça, les gens qui sont malades, qui n'ont pas venu à l'église, nous porter parole là-bas et tout. Et chaque dimanche, moun ki pa ka vini yo comme ça que si nous gon moun nous connaît qui nan paroisse là qui pa ka vini l'église bay non yo comme ça que nous n'ap jwenn un ministre qui ka pote parole là bay yo ensemble avec ko Jésus hein pou ka kebe vi yo entiché encroché sous mon Dieu. Est-ce que grand pile moun Pétionville nan paroisse là? Qui en pile moun Pétionville nan paroisse là? Moi même avec Albert nous allé dans même l'école en Haïti. Et nous rencontrons des gens tout partout dans la paroisse. C'est ça qui est bon. Il y a une pile diversité. Il y a des gens qui sont tout partout en Haïti. D'un côté, nous même connaissons même à nous en Haïti, mais nous rencontrons des gens ici là. Et puis son paroisse depuis nous tant de bonnes rencontres, toujours des manger, toujours des en pile manger. Comme ça, nous goûter tout un petit morceau Haïti et chaque dimanche. Non, fellowship que Albert a parlé nous bien plus qui fait fellowship. Que réellement tout bien manger ça veut dire que radio télévision a bien manger là que la fille. Bien sûr l'offre nous a bien manger ici là qui fait que moi réellement que content même dame mais que peut-être que vous pouvez parler nous de relation avec Père Pierre le tout parce que Père Pierre le nous croit que il y a à peu près 2 ans depuis que là que est-ce qu'on peut dire nous qui genre relation nous y avec Père Pierre le Pierre-Louis, son monde nous caboué, prêche Lyon, c'est prêche qui mène nous. Il y a toujours un mot spécial pour nous, pour avancer nous, pour nous faire Jésus, pour nous voir Jésus dans plusieurs lenses.
Vous comprenez? Comme si c'est un gars, c'est même Jésus qui était là, donc nous avons un message et disciple Marius. Et vous sentez son bail qui vibre. Même Jésus qui était là, qui était rencontré disciple Marius, il est là avec nous, il rencontre avec nous chaque dimanche. Et bien, relation, nous, c'est relation, ça, Père, apporter Jésus à nous. Et bien vivant chaque dimanche qui fait nous vivre pour nous capoter message là aller by l'autre monde. Et que nous capable ça avec son père qui est très sympathique. Bon parce que Père Mendes est très sympathique tout parce que là on le Père Mendes pour parler le bac que ça que nous apprécier ça que c'est même pas là pour Père Pierre le tout. Que moi réellement encourager nous travailler avec deux pères parce que réellement que son grâce que ça y est que le fait que nous avons deux pères haïtiens et qui n'ont pas voir ça. Bon. Parce que c'est travail avec eux, parce que ou là, et 17 ans, parce qu'on perd le papier, on fait plus que 12 ans là. Que plus on a travaillé avec eux, c'est plus par ça à travailler de l'avant. Yeah. Qui fait que Marie-Laure, que nous sommes très très contents pour nous dégager en Radio Télé-Solidarité. Et Radio Télé-Solidarité, que rôle nous, c'est évangélisation, comme on connaît, Monsieur Sassari, qui est à la tête de Radio Télé-Solidarité. Que nous avons le Père Saint Charles Bonotto, qui est le directeur de la pastorale, qui est le vice-chairman de cette radio. Et que. Et grand comité qui l'a, et avec Frenon, Bord de la radio Télé-Solidarité. Encore une fois, un grand merci et bonne chance. Merci pour votre revue. Bye bye. Bye bye. Femme témoigne, ça Jésus fait pour moi. Comme raconter toute ma belle histoire, comme ma vie, qui côté moi d'ailleurs, côté mieux joli, son Jésus aime moi. Jésus guérit moi, t'es dans le fait noir, clairé chemin moi, t'es dans la prison, libéré moi, faut témoigner, faut raconter ça, Jésus fait pour moi, ouais t'es perdu, Jésus a chassé, tout le monde j'étais, Jésus ramassé, t'es dans la peine libre, comme 4 ans, faut témoigner, faut raconter ça, Jésus fait. Jésus l'a gué moi, femme témoigne, femme raconte ça, Jésus fait pour moi, t'es bouleversé, Jésus dans la paix, femme témoigne, ouais t'es malade, Jésus guéris moi, femme témoigne, t'es dans fait noir, éclairé chemin, femme témoigne, femme témoigne, femme raconte ça, fait pour moi. Si ma vie jolie, c'est grâce à sauveille, pour t'être ça, va m'aller raconter, j'en ai gros. Et quand c'est délicat, ce Seigneur, défie mourir, grâce à ce qu'il y a moi. Faut témoigner, faut raconter ça, Jésus fait pour moi. Tout le monde, je t'aime, Jésus ramassé. Faut témoigner, t'es dans la peine, les femmes 4 ans. Faut témoigner, ouais, t'as souffri, les consoler, moi. Faut témoigner, faut témoigner, faut raconter ça, fait pour moi. Voyage.
essayé. Femme témoignée, réveillée dans la vie. Femme mal dio, ça j'ai si fait pour moi. Mon amour essayé, Jésus tes propres témoins. Qui était nos ferrois, qui mettait dans les biens. Qui bâtit pour nous capables sauver. Accent l'île rachetée, pas nous qu'à témoigner. Femme témoignée, ça j'ai si fait pour moi. Femme m'expliquer, qui compte témoigner. Femme témoignée, qu'elle m'a dit de la vie. Femme mal dit, ça j'ai si fait pour moi. Guérison yo, libération yo, voyez yo payé, appuyé yo sillé, délivrance yo, guérison yo, résurrection yo. Femme témoigner, ça Jésus fait pour moi, femme raconter, toute merveille il fait yo, femme a dit yo, qui compte témoigner, compte bien j'en dis ya. Jean-Jésus, remets-moi.